Ben, en fait, ce sont tous des gens qui sont passionnés du reggae et qui aiment faire des choses ensemble, mais aussi qui viennent de toutes parties de la Belgique et aussi des Pays-Bas, comme Robin, il vient des Pays-Bas. Et comme ça, on s'est trouvés parce que c'est quand même une monde assez petite, surtout en Belgique. Et pour ça, on s'est trouvés, on voulait jouer de la musique et comme ça grandit, ça grandit et on fait des plus grands concerts. Et l'année passée, on a gagné le Reggae Contest, ce qui a confirmé que ça commence à rouler un peu et on est devenus des amis aussi après des années. Ça fait combien d'années qu'on joue? C'est 2 ans, je pense. Deux? Oui, 3 ans. 3 ans et comme ça, on se réunit, quoi. Ben d'accord, pour moi-même en fait, je trouve qu'il n'y a aucune différence n'importe où dans le monde en fait où est le reggae, ça vive et c'est très vivante et ça n'a rien à faire avec Jamaica ou Angleterre ou Belgique, c'est très 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 vivante en Belgique. Il y a vraiment, si je vois les jeunes, il y a vraiment un mouvement positif. Ouais, grâce à reggae, pour le reggae, tout ça. Alors, ouais, c'est vivante. En fait, il y a aussi plusieurs gens dans le groupe qui écrit. C'est pas seulement moi, c'est aussi Émile qui a écrit, mais aussi lui qui a composé les chansons. Et en fait, on fait plein de trucs ensemble. Mais les textes, on parle souvent des problèmes dans la société, quoi. Comme en fait, peut-être tout le reggae, mais. Ouais, c'est important et c'est le spirit quand même. Ouais, moi-même, j'écris aussi de ma part africaine et de ma famille qui me manque et des trucs comme ça. Et voilà, c'est accepté par le public, alors pourquoi pas?